vierge. Quoi? Je ne suis plus vierge. Que racontes-tu, Angel? Je ne suis plus vierge. Angel, arrête avec ça. Maman, elle est juste en train de faire une scène parce qu'elle ne veut pas manger les œufs. Je la connais. Elle ira bien, laisse-la. Maman, elle ira bien. Elle ne veut pas manger les œufs et elle te fait un sale tour. Peux-tu imaginer? Peux-tu imaginer? Angèle! Elle a sûrement entendu à la télévision sur l'un de ses programmes. Programme télé. Je dois vraiment vérifier ce qu'elle regarde. Sérieusement, peux-tu imaginer? Fais-moi ça? Fais-moi confiance. Je vais mettre l'œil sur elle. J'ai vraiment intérêt. Ouvre la porte, c'est moi ta grand-mère. Angèle! Angèle, c'est moi. Frida! 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 Frida, je n'en reviens pas que tu sois assise là encore en train de manger après une telle confession de ta fille. Angel est juste dramatique. Elle ne veut pas les œufs. Je la connais. Et elle fait toute cette mise en scène pour ne pas avoir à les manger. Mais elle doit apprendre à manger ce que je lui donne. Je ne vais pas arrêter de manger parce qu'elle a dit quelque chose juste pour que je me sente mal et lui donne autre chose. Vraiment, les mamans de cette génération, je suis vraiment déçue de ta part. As-tu envisagé la possibilité de ce qu'elle vient de dire? Elle s'est enfermée dans sa chambre. J'ai toqué, toqué, supplié et supplié encore pour qu'elle m'ouvre la porte. Mais elle a refusé. Peut-elle être sérieuse? Très sérieuse. Angel. Angel. S'il te plaît, mon bébé. S'il te plaît, ouvre la porte à maman. S'il te plaît. Angel, s'il te plaît. S'il te plaît, je t'en supplie. Angel, s'il te plaît, ouvre la porte à maman, non? S'il te plaît, Angel. Angel, ouvre. I can't take no more. If you have a heart, you won't ever think. Ce n'est plus un jeu, plus du tout. Elle s'est enfermée dans la chambre et elle refuse d'ouvrir la porte. Elle n'a jamais fait ça, même quand elle joue à la vilaine. Que s'est-il passé? Edouard, est-ce ce genre d'éducation que toi et ta femme donnez à ma petite fille? Maman, s'il te plaît. S'il te plaît. Angel va bien. Elle n'a rien, crois-moi. Bébé, attends un instant. Nkoyo! Nkoyo! Pourquoi appelles-tu Nkoyo? Peut-être qu'elle sait de quoi il s'agit. N'as-tu pas honte de toi en disant cela? Ta ménagère devrait-elle connaître ta fille plus que toi? Ah. Maman, maman, s'il te plaît, s'il te plaît. Arrête! Elle est déjà stressée. Laisse-la, s'il te plaît. Je sais. Edouard, après toutes les valeurs que je t'ai inculquées, je n'aurais pu jamais croire que tu serais un aussi mauvais père que ça. Hein? Maman, maman, pourquoi tu veux en faire toute une histoire? Angel est notre fille. Elle est très capricieuse, nous le savons. Après vraiment? Tout, peut-être qu'elle a hérité une telle attitude de toi. Vraiment? Tu dois vraiment être stupide. Je ne sais même pas pourquoi je suis là à parler avec vous. Vous deux. N'importe quoi. Bébé, calme-toi. Ah, elle n'a pas ouvert la porte. La porte est fermée. C'est pour cela que je suis inquiète. Elle s'est enfermée. Et si elle se faisait du mal? Non, elle.
Elle ne va pas se faire mal. Elle ira bien. Je ne sais pas. Je ne suis vraiment pas du tout à l'aise avec ça. Pourquoi s'est-elle enfermée dans la chambre? Bébé. Nkoyo. Bébé. Nkoyo. Bébé, elle ira bien, ok? Peut-être qu'elle essaye de... Elle veut sûrement être seule. Je ne sais pas, je... Tu sais que ta fille est capricieuse, n'est-ce pas? Allez! As-tu avec ma fille? Quel est ce genre de stupidité que tu étales, Frida? Tu es là à questionner la ménagère pendant que ta fille s'est enfermée dans sa chambre? Quel genre de mère es-tu? Oh, maman, pourquoi tu fais ça? Vas-y doucement avec moi, non? J'essaie de faire quelque chose en lui posant des questions pour que nous soyons sûrs de ne rien louper. Et si elle se faisait du mal pendant que tu es là à poser des questions stupides? Maman, s'il te plaît. S'il te plaît quoi? Laissez-moi vous dire tous les deux. Si quelque chose arrive à ma petite fille, je répète, si quelque chose arrive à ma petite fille, vous verrez une autre facette de moi. Qu'avons-nous fait? Edward, où vas-tu? Réponds-moi. Edward! Madame, qu'est-ce qui est arrivé à Angèle? Va-t'en et commence à prier tous les dieux de ton village pour qu'ils sauvent ta vie. Allez, quitte sur mon chemin. Désolée. Oui. Ma petite fille chérie, c'est ta grand-mère. Ouvre-moi la porte, je t'en prie, mon bébé. Bébé, tu dois aller chercher le double des clés. Va chercher le double des clés et ouvre cette porte, s'il te plaît. Angèle. S'il te plaît. Tu sais que si tu n'ouvres pas cette porte, j'irai chercher le double des clés et l'ouvrir moi-même. Attends, attends. Es-tu en train de vouloir obtenir une permission venant d'elle d'abord? Va chercher le double des clés et ouvre cette porte, non? S'il te plaît. C'est effrayant. Va chercher le double des clés, s'il te plaît. Oh mon Dieu, sauve ma petite fille. On dirait que... Qu'elle ouvre la porte. Hey, ma fille. Angèle. Tu vas bien. Ok. Je veux juste parler à grand-mère. Mais Angèle. Oh. Laisse-moi tranquille, je veux juste parler à grand-mère. Ok, ok, on y va. Allons-y. Tu sais que grand-mère t'aime, n'est-ce pas? Oui, grand-mère. Cette chose que tu as dite lorsque nous mangions, le pensais-tu? Oui, grand-mère, je le pensais. Hein? Et que crois-tu qui est la virginité? La virginité, c'est le caractère ou l'état d'une personne d'être vierge. Et une vierge, c'est une fille qui n'a jamais couché avec un homme auparavant. Et qui t'a appris tout ça? Ma maîtresse, Madame Grace. Et comment sais-tu que tu n'es plus vierge, hein? Ma mère, je ne suis plus une vierge. Et comment le sais-tu? Parce que... Viens parce là. Que... Ne pleure plus, c'est bon, ça va aller. Ça va aller, je te le dis. Ça devient vraiment trop dur à supporter pour moi. J'espère juste que c'est encore l'un de ses caprices. Je ne pense pas. Avec ce que je vois, je pense que nous devons nous préparer au pire. Oh Dieu. Madame, vous m'avez appelée. Que fais-tu tout le temps dehors? Je suis allée acheter une carte rechargeable. Tu es allée acheter une carte rechargeable. Toi,
Je t'observe, et je peux voir qu'il y a quelque chose que tu fais. Quelque chose de mauvais que tu fais, mais je n'arrive pas à mettre la main dessus. Je t'observe, toi. Bébé, pourquoi tu ne laisses pas cette pauvre fille tranquille? Et que veux-tu dire par là? Et toi, dehors. D'accord, monsieur. Exactement ce que tu as suivi. Exactement ce que j'ai suivi. Que veux-tu dire? Eh bien, je ne sais pas où tu vas en venir, mais peu importe ce que c'est aussi ta faute. Oh! Oh, ok, dis-moi, as-tu déjà suivi? As-tu déjà suivi ou on tient l'homme pour responsable sur ce que deviennent les enfants? Non, dis-moi! Oh, je vois! Tu essayes de me rejeter la faute. C'est ce que tu fais? Vraiment? Alors, que racontes-tu? C'est toi la mère ici. N'as-tu pas honte que ta propre fille décide de parler à quelqu'un autre que toi? Oh, 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 il s'agit de sa grand-mère. Elle peut décider de parler avec sa grand-mère ou avec qui elle veut. Pour de vrai? Oui. Angèle. Angèle, c'est bon. Hein? Arrête de pleurer. Et puis parle à ta grand-mère. Hein? Angèle. Angèle. Mais grand-mère. Vas-y et parle-moi. Comment as-tu su que tu n'étais plus vierge? Parce que j'ai couché avec un homme. Ah. Et tu veux savoir de quoi tu parles? Grand-mère, je sais ce que c'est que le sexe. Et je sais que quand il s'est couché avec un homme, et personne vient chez lui. Seigneur, arrête de pleurer. Ça ira. Je ne sais rien du tout. C'est ta propre fille. Ah, attends, c'est ta manière à toi de me demander de quitter mon travail? Je ne te demande pas de quitter ton travail. Mais tu devrais être présente pour notre propre fille. Ah, et toi, tu me rends folle. Qu'est-ce que tu racontes? Tu peux devenir folle en ce qui me concerne. Je te parle des faits. Quel fait? Et qu'en est-il du fait que tu n'as pas été un bon père pour ta fille? Que dis-tu? Prida, comment peux-tu dire ça? Je fais en sorte de subvenir à tous les besoins de cette maison. Okay. Je paye les factures de cette maison. Comment oses-tu ouvrir ta bouche et me dire tout cela? Donc, tu penses que c'est à ça que consiste la paternité, c'est ça? Que veux-tu que je fasse de plus? Non, dis-moi, que veux-tu que je fasse de plus? Va demander à ton père. Comment oses-tu me dire ça? Comment oses-tu aussi me parler ici? Comment oses-tu ouvrir ta bouche et me dire que je ne suis pas une bonne mère? Toutes ces choses que tu viens de lister, tous ces devoirs et responsabilités, je contribue aussi à ça. Je travaille, je gagne de l'argent et je paye aussi des factures. Alors, de quoi est-ce que tu parles? Mais toi, après le travail, qu'est-ce que tu fais? Tu vas dans la salle de séjour avec tes amis jusqu'à tard dans la nuit, même quand tu sais que ta fille est seule avec sa nanny. Peux-tu t'écouter et parler? Tu sais que ce que tu dis est vraiment stupide? Tu ferais mieux de ne pas aller le raconter là-dehors. Je le dirais n'importe quel jour et à n'importe quelle heure. Les maris devraient aider leurs femmes à élever leurs enfants. C'est la responsabilité des deux parents d'élever leurs enfants sains. Un enfant sain? N'importe quoi. Que fais-tu dehors? L'intérieur chauffe. Ah ah! T'as recommencé? Comment ça, l'intérieur chauffe? Il y a la clim, il y a le ventilateur, il y a la lumière, il y a tout! Tu n'es pas sage. Hein? Monsieur et madame bagarrent, ils se disputent sérieusement. Eh! Hey. Ah. Cela explique tout ce bruit que j'écoutais. Ok! Ah! Ce n'est vraiment pas une bonne chose, hein? Parce que depuis que je suis dans cette maison, je n'avais jamais suivi monsieur et madame se quereller auparavant. Cette histoire me fait vraiment peur. Madame m'a demandé d'aller prier. Elle m'a demandé de prier pour que rien ne se passe. Je n'ai même pas compris de quoi elle parlait. Que tu pries afin que rien ne puisse arriver.
Par ailleurs, toi qui es à l'intérieur, tu n'as aucune information sur ce qui se passe. T'as rien entendu? Je ne sais pas. Mais je suspecte que Angèle ne va pas bien. Oh! Oui! Angèle ne va pas bien? Angèle ne va pas bien. Ah! Et qui ignore que la société favorise l'homme quand il s'agit de l'éducation de l'enfant? Dis-moi! Tous les doigts sont pointés vers toi! Édouard, je t'emmerde! Toi et la société et tous ces gens qui pensent que... Elle doit aller en consultation chez un médecin. Maman, maman, s'il te plaît, pitié, pitié, dis-moi que ce n'est pas vrai. Aussi dur que ce soit à accepter... Elle sait et elle pense à ce qu'elle a dit. Quoi? Non. Angel. Non. Non. Je... Non. Non, non. Angel, non. Tu vois? Tu vois ce que Angel, tu as fait? Angel, s'il te plaît, dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que ce n'est pas vrai, s'il te plaît. Angel. Tu vois ce que tu as fait? Non. Tu vois ce que j'étais en train de dire? Non. Oh Dieu. Non. Okay. Non. Non. Oh Dieu, non. Tout va bien. Ça va aller. Sois forte, ok? Ça va aller. Sois forte, ça va aller, d'accord? Tout ira bien. Je suis désolée, ça va aller. Je t'en prie, pardonne-moi, je suis désolée. Ça va aller. Ah. Le fait que... cette petite fille ne va pas bien. J'espère que... que ce n'est pas à cause du fait que je l'ai touchée, hein. Tchaï, je me suis fourré dans une grosse merde. Je ferais mieux de... d'aller faire mon sac. Et partir loin de cette maison. Parce que je sais que monsieur et madame me renverront à cause de ce que j'ai fait. Pourquoi ne nous dis-tu pas qui t'a fait cela? Je ne peux pas. Dieu, Angel, bébé, s'il te plaît, tu dois nous parler. Tu dois nous dire qui t'a fait ça. Cette personne doit être punie. Oui. Cette personne doit être exposée. Je ne peux rien dire. Ne me posez plus cette question. Je ne peux rien dire. Angel, s'il te plaît, dis-nous quelque chose. Qui t'a fait ça, s'il te plaît? S'il vous plaît, arrêtez, je ne peux rien dire. Oh. Maman, t'as-t-elle dit quelque chose? Rien du tout. Sa réponse était la même que celle qu'elle donne en ce moment. Angel, est-ce que c'est quelqu'un de ton école? C'est ton camarade de classe, ou bien ton ami, ou alors quelqu'un d'autre? Dis-nous, s'il te plaît. Un garçon de ta classe? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! C'est ton père? Frida! Tout va bien chez toi? Qu'est-ce que cela signifie? Je devais le faire. Je devais clarifier mon doute. Clarifier quel doute? Es-tu en train d'oublier que c'est ma fille? Oui, je sais, oui, je sais qu'elle est ta fille, mais tu l'as bien entendu, ce n'est pas arrivé à l'école, c'est forcément arrivé ici à la maison. Ce qui veut dire qu'elle a peur de celui qui l'a fait. Ah, c'est toi le seul homme dans cette maison, donc. Alors, donc, j'allais... Ok. Ok. Qui est-ce? Qu'est-ce que tu fais? Pas là. Qu'est-ce que tu fais, ma fille, espèce de pas cochère? Non, écoute, qu'est-ce que tu fais à notre fille? Je peux t'expliquer. Tiens, contre lui, papa. Quel démon! Mais tiens! Quand je n'aurai fini avec toi, tu ne le referas plus jamais! Attendez, attendez, par là! Méchant! Je peux rien faire! Avance! Avance! Misérable! Patron, je peux expliquer. Toi! Où tu t'es arrosé? Qu'est-ce que c'est? Oui, madame! Pourquoi tu fais ça à ma petite fille? Monstre! C'est le tien! Quel tien? Où as-tu vu le tien? Tu n'es le tien! Maman, ne t'inquiète pas! Dès que j'en aurai fini avec lui, tu auras pris mes manches pour te justifier! C'est
Qui est-ce? C'est moi, Angèle. Ah, petite madame. Hey, petite madame. Bonsoir, oncle Thié. Angèle, bon après-midi. Hey, comment tu vas? Bien, merci. Les cours sont finis? Oui. Ah, bienvenue. Merci. Le truc est que tu vas aller t'asseoir à cet endroit parce que Koyo n'est pas là. Non, je vais aller à l'intérieur. Tu ne pourras pas aller à l'intérieur. Tu ne pourras pas y aller. Elle a fermé la porte de la maison et est partie avec les clés. C'est elle que j'attends depuis, je n'ai pas encore mangé. Alors, va là-bas t'asseoir et l'attendre, compris? Ah ah, elle sort toujours à l'absence de maman et papa, je vais te... Merci. C'est une question que nous allons lui poser à son retour. Pour ceux qui aient de la trahir, ne le fais pas, compris? Hein? Ne le fais pas, ne le fais pas. Faut la laisser. D'accord, suis-moi. Okay. On va aller là-bas, t'asseoir et attendre, d'accord? Ok. Bienvenue. Outil, bon après-midi. Hey, quand on est avec une cuillère en or à la bouche. Attends, attends. Ah, petite madame. Assieds-toi, okay. Hein. Retire ton sac. Reste là et attends, elle va bientôt revenir. Hein? D'accord. Ah, laisse-moi aller continuer ce que je faisais à l'intérieur. Okay. Aïe. Qu'est-ce qui chasse cette fille de cette maison, de cette maison? Tout le temps, elle sort quand elle veut et quand bon lui semble. Si, madame, et monsieur rentre maintenant et trouve la fille couchée ici, que vont-ils dire? C'est moi qui trahirai cette fille. Nous allons la dénoncer. Petite madame. Va te coucher à l'intérieur. D'accord? Ok. Oh, cet endroit n'est pas fait pour dormir. Ah! Oh. Tonton, comment tu vas? Ah, Angèle, tu t'es réveillée? Oui. Koyo est rentré? Koyo n'est pas encore rentré, hein? Je ne sais pas ce qu'il a retiré encore là-bas pour qu'elle ne soit pas encore à la maison. Oh, pourquoi elle aime tant sortir? La question que tu poses là présentement, hein? Je me la suis posée et je n'ai pas eu de réponse. Cette histoire de sortie, j'y comprends rien. Elle aime des sorties stupides. Mais, oncle Outhier, j'ai faim. T'as faim? Qu'est-ce que tu vas manger? Tu peux m'envier des pâtes? Oui, j'aime les spaghettis. Oncle Uche, les pâtes sont prêtes. J'arrive. Ça se brûle. Ça ne peut pas brûler. J'ai mis beaucoup d'eau. Il faut que ça sèche. J'arrive. Ah, mon pied! Angèle! 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 Qu'est-ce qui s'est passé? Mais je t'ai demandé de laisser! Pourquoi tu l'as pas fait? Désolé, d'accord? Désolé! Désolé, d'accord? Désolé, pleure plus, d'accord? Vraiment désolé. Ça va aller. Tu vois ce que je suis en train de mettre, ça va faire en sorte que ça sèche. Ça ne fera pas trop mal. Angèle, je veux que tu me promettes quelque chose. Et s'il te plaît, ne dis rien à ton père ni à ta mère. Je ne dirai rien, maman. Je...
Tu vois, je voulais juste t'aider. Si tu ne leur dis rien, hein, je vais faire beaucoup de spaghettis juste pour toi. Hein? Je te l'ai dit, je ne dirai rien à ma mère. Ah ouais? Qu'est-ce que je vais manger? Non, je ferai les pâtes pour toi. Tu vas manger. Cette fois, c'est moi qui vais utiliser mes mains pour les faire et rester près du feu et surveiller. Hein? J'arrive, hein. Souris, souris. Je vais pas voir qui c'est. Qui est-ce? Ah, attendez. Mais attendez. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu te perds dans le portail? Pourquoi tu as traîné comme ça? Tu veux que je le casse? Tout ce bavardage, c'est à moi que tu parles. Ah. Hein? Écoute, je t'ai dit que les sorties que tu fais dans cette maison vont te créer les problèmes un jour. Aujourd'hui, ce jour est... Hé, pardon, tais-toi. Laisse-moi passer. Je te fasse... Hé, Angèle, mon bébé. Je suis morte. T'es pas morte, oh. Je suis finie. C'est pas encore fini. Mais mon esprit me dit que tu le seras avant de mourir. Tu vois cette sortie inutile que tu fais dans cette maison? Ton mythe est le problème. Regarde ce que tu as causé. Hey. Ce que tu peux faire là maintenant, c'est amener cette fille dans cette maison et faire en sorte qu'elle mange. Fais-le bien comme si rien ne s'était passé. Je lui ai dit de ne rien dire à sa mère. Que diable se passait-il dans ma maison? Qu'est-ce que c'est? Tu vois? Est-ce que tu vois ce que je disais? Ça a un peu de sens pour toi maintenant, n'est-ce pas? Stop! Peux-tu arrêter ça? Arrête ça! Ma fille s'est fait agresser sexuellement! Les dernières choses dont j'ai besoin en ce moment, ce sont des reproches! En particulier venant d'un père irresponsable! Pardon? Vous vous fermez là! Dans toute cette histoire, il n'a pas parlé de ce qui est vraiment arrivé à Angèle quand il l'a emmenée dans sa chambre. Maman, il ne s'est rien passé! Est-ce que je t'ai touché? Essaye-tu de dire que les pâtes étaient la confession que tu voulais me faire? C'est l'eau des pâtes qui s'est versée! C'est juste l'eau et je ne connais rien d'autre! Si je découvre que tu mens, je serai vraiment cruelle envers toi, je jure! Personne ne veut me croire dans cette maison! Patron, permets-moi que je vous montre si cette chose peut entrer chez André! Tu es malade! Comment je fais? Qu'est-ce qui ne se passe pas? Ça? Hein? Es-tu fou? Désolé! Désolé! Désolé. Vous pouvez imaginer. Désolé. Frida. Où est cette stupide? Désolé. Goyon. Goyon, où es-tu? Madame. Oui, madame. J'ai ici. Monsieur. Hé, hey, place-toi. Goyon, j'ai été une ombre dans ma propre maison. Maintenant, commence à parler. Que s'est-il passé entre toi, Gauthier et ma fille? Madame, je ne vous comprends pas. Goyon, Angèle affirme qu'elle a été souillée. Tu sais ce que souiller signifie? C'est ce que souiller veut dire? Parce que je sais que toi et Uchi, vous aimez vous couvrir. Dis-nous ce que tu sais. Vas-y, parle. Dis-nous ce que tu sais. Patron, c'est vrai que je laisse souvent un geste à la maison pour sortir quand vous n'êtes pas là. Mais patron, je ne sais pas si Uchi a fait quelque chose à Angèle. Patron, attendez, j'ai besoin d'une autorisation. Non. Pour lui dire la ferme, la ferme. Patron, là, est-ce stupide? Je n'ai rien fait, patron. Hein? Qu'est-ce que tu fais, ma fille? Viens avec lui. Viens, toi. C'est moi. J'ai compris la porte. Madame, j'ai compris rien. Tu ferais mieux de prendre ta parole. Et toi? Idiot. Honte de toi. Je te laisse la vie. Vraiment. Et toi, tu la laisses n'importe quoi. Salut. Bonjour, papa. Bonjour, monsieur Edouard. Comment allez-vous? Bien. Bonjour, tout le monde. Je suis vraiment désolé de vous l'annoncer. Écoutez, les examens que j'ai faits sur votre fille prouvent qu'il y a une constante pénétration sur elle. Il y a une constante pénétration. Constante? Oui, oui. 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 It's so unbearable, it's so unbeatable, emotional trauma, it's how you make me feel. Je sais, docteur. Je suis confus, je ne sais vraiment pas quoi faire.
Et en plus, elle refuse de dire quoi que ce soit. Oui. Elle doit avoir été menacée. Écoutez, je pense que le coupable reste certainement menacé très sérieusement. Au point où elle est très effrayée de dire... De dire qu'elle est le coupable. Qu'est-ce que je vais faire? Alors dans ce cas, devons-nous arrêter le gardien et la ménagère? Non. Elle dit qu'ils sont innocents. Vous ne pouvez pas vous mettre à arrêter n'importe qui sans avoir mené une véritable enquête. Oh Dieu. Tout ce que vous devez faire en ce moment, c'est de le faire du sentier en sécurité. Pour qu'elle vous dise qu'il y a le coupable. D'accord? Ok. Écoutez-moi, vous pouvez disposer. Hey! Patron, merci. Patron. Madame, merci. Vous êtes encore d'ici! C'est hors de question! J'ai dit hors de question! Madame, revenez ici! Où allez-vous? Pourquoi? Ta fille vient juste de dire qu'ils sont innocents. Et tu l'as cru? Alors quel autre suspect avons-nous maintenant? Toi? Je te demande pardon. Pourquoi demandes-tu mon pardon? Est-il étrange que quelqu'un père a créé son enfant? Ne l'as-tu jamais entendu avant? Es-tu timbré? Est-ce que tu t'entends parler? Es-tu consciente qu'il s'agit de ton fille? Je sais que cette chose entre les chambres des hommes arrive difficilement à se contrôler quand il s'agit de sexe. Ils ont du mal à la contrôler. Pouvez-vous l'écouter? Frida, c'est bon. Arrête d'accuser ton mari. Le fils que j'ai élevé n'a certainement pas pu se transformer en un tel monstre. Je t'en prie. Mon frère ne peut pas faire une chose aussi horrible. Alors demande à ton frère et toi à ton fils pourquoi est-ce qu'il a relâché les seuls coupables qu'il y avait dans cette maison. On n'a plus de suspects. Y a-t-il quelque chose que tu me caches? S'il y a quelque chose que tu me caches, dis-le vite, oh. Dis-le vite, parce que je ne comprends plus. Je ne comprends plus ce qui se passe ici. Dis-le si tu as quelque chose à dire. Tu es le seul qui reste. Si tu as quelque chose à dire... Il a dit qu'il allait me tuer. Qui? Pourquoi ne veux-tu pas nous dire qui est cette personne? Oui. Oncle John. Oncle John. John? Ah, c'est doux. J'adore vraiment. C'est doux. Beau garçon. Coupé mignon, je t'assure. Aïe, beau garçon. Tantine, j'ai faim. Ah, cette fille, pourquoi gâcher un bon moment? Mais j'ai faim. D'accord, assieds-toi, je vais aller te faire à manger. Mon caramel sucré, je reviens, d'accord? D'accord. Je reviens. Brave fille, comment vas-tu? Bien, merci. Tu sais que t'es vraiment très belle, tu le sais ça? On dit merci quand quelqu'un te fait un compliment. Qui est-ce? J'arrive. Oh, bonsoir, monsieur. Merci, comment vas-tu? Bien, merci. Elle est à la cuisine. Entre, je vais l'appeler. Chérie. Hé, mon caramel sucré. Ma princesse. J'ai cru que tu n'allais plus venir. Tu sais, tu es ma princesse, tu ne peux pas faire ça. Tu es beau. Et toi, tu es ravissante. Merci. Tu sais, quand tu es arrivée, j'étais en train de laver les assiettes. Assieds-toi, mets-toi. D'accord. Mon caramel sucré. Je t'attends. Mon ami, quel est ton prénom? Angèle. T'es vraiment un ange. Merci, monsieur. Et quel âge as-tu? J'ai 12 ans. 12? Tu as l'air si grande pour avoir 12 ans. On dirait que t'as 19 ans. Maman dit que j'ai 12 ans. Waouh. T'as l'air si grande. Allez, viens, que je te regarde. Allez, viens, lève-toi. Debout. Ah, assieds-toi. Tu es vraiment très belle.
chérie. Oui, tantine. J'arrive, d'accord. Je vais au marché. Ok. Prends soin de la maison, hein. Brave fille. Je reviens, d'accord. Angèle, bébé. Hey, salut toi. Je vais bien, et toi? Tu vas où? Tu es en train de sortir? J'arrive, je vais aller au marché. Pourquoi t'es pas allé au marché plus tôt? Tu savais que je venais, non? Ne te fâche pas, je ne vais pas durer. J'arrive. Et si ton patron et ta patronne rentrent et me trouvent dans la maison? Oublie ça, quelle patronne? C'est dans la nuit qu'ils rentrent. T'es sûr? Ah, mon caramel sucré, va t'asseoir, j'arrive. D'accord. Mon caramel sucré. Je vais m'asseoir. Je ne vais pas durer. Mais pas long, hein? J'arrive, hein? Mon caramel sucré, ton habillement d'aujourd'hui là. Vas-y, dépêche-toi. D'accord, je me dépêche, j'y vais. Mon caramel sucré. Alors, comment ça va? Bien, merci. Bien, et toi? Je vais bien. Tu me manquais. C'est pour ça que j'ai demandé que tu viennes pour qu'on s'amuse un peu. Angèle? Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Bonsoir. Mon caramel sucré. Donne-moi quelque chose, non? Que j'aille chercher un truc pour qu'on s'amuse. Tu sais de quoi je parle. Ah. 500 naira, c'est assez. 500 naira. Ok, donne-moi.
Quand je vais arriver là-bas, je vais gérer. Plus tard, je vais compléter. Gentil bébé. Mon caramel sucré. Voilà, tiens. D'accord, j'arrive. Hein. D'accord. Je vais d'abord aller en haut. Avant d'aller acheter. Ok, dépêche-toi. J'arrive. Mon caramel sucré. Ah oui, mon bébé. Mon caramel mon sucré. Mon unique bébé. Ma délicieuse Angèle. Espèce d'animal. La police. Prends-tu. La merde. Non, ça suffit. Regardez-moi. Laissez-le, laissez-le, ça va, ça va, ça va. Chérie, viens là. Hé, ça suffit. Laissez-le, laissez-le, laissez-le. Lâchez-le maintenant. Cette fois, vous avec les preuves que j'ai en ma possession, vous êtes en état d'arrestation pour pédophilie et viol. Vous avez le droit de garder le silence parce que tout ce que vous direz sera retenu contre vous devant la cour de justice. Vous avez également le droit d'avoir un avocat. Allez, avancez. Avancez, avancez, avancez. Je n'ai rien fait. Avancez. Officier, je n'ai rien fait. Avancez. Madame, vous êtes madame, madame, allez, sortez de la maison. Patron, avancez, madame. S'il vous plaît, patron, s'il vous plaît. Avancez. S'il vous plaît, patron, patron. Avancez. 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 Dégage. Rapidement. Ça va. Ça va, allez-y, il allez-y. Embarquez-le, embarquez-le, embarquez-le. Ok. Mon caramel sucré. Embarquez-moi, c'est vous. Embarquez-le. Pardon, espèce de fou. Embarquez-le. Allez, 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 allez. Oh, c'est fini, ma petite, c'est fini. Tout est rentré dans l'ordre, ok. Tout est fini, c'est bon, ma petite. Oh, mon bébé. Je suis désolée, maman. Vraiment désolée. Désolée. Personne ne te fera du mal. Il m'a manqué. Je suis désolée. Personne ne le fera. Personne ne pourra plus jamais, ok. Ok, nous avons été finis, d'accord. Fais-nous confiance, nous sommes là pour toi. Monsieur Edward, j'ai le privilège de vous annoncer que votre fille est séronégative. Oh, oh mon Dieu. Merci, Seigneur. Elle se porte bien. Merci infiniment, docteur. Mais écoutez, monsieur Edward, je vous conseillerais de l'amener voir un thérapeute. Voilà, simplement pour se rassurer qu'elle surmonte toute cette histoire. Car cela pourrait avoir un impact psychologique sur elle. Ok, docteur. Je promets de le faire. Et faites en sorte de bien prendre soin de ces petites filles. Elle est votre fierté, d'accord? Merci, docteur. J'ai décidé de quitter mon travail. Mmh. Oui. Je vais envoyer ma lettre de démission le plus tôt possible. Et je ne travaillerai pas pendant toute l'année. Je serai à la maison avec elle. Mmh. Oh. Merci, oui, maman. Oui, je dois rester à la maison avec ma fille. Après tout, je peux trouver un autre travail. Un qui ne sera pas très exigeant. Un travail qui me permettra d'avoir du temps pour ma famille. Parce que la famille passe en premier. C'est bien. Mm-hmm. C'est bien. Super. Mais ça signifie plus de factures pour toi à payer. Cela n'a jamais été un problème pour moi. Tu le sais très bien, n'est-ce pas? Eh bien. Et de mon côté, je vais... réduire mes sorties avec mes amis, comme tu le dis souvent, et donner plus d'attention à ma famille. Parce que, tu sais, je ne veux pas te laisser le travail toute seule. Comme on le dit, il faut deux personnes pour que ça marche. Oh oui, bien parlé. C'est bien, merci. Il faut deux personnes pour que ça marche. Oh, beaucoup de courage. Beaucoup de courage. It's so unbearable, it's so unbeatable. Emotional trauma, it's how you make me feel. It's so unbearable, it's so unbeatable. Emotional trauma, it's how you make me feel. Just know I want no more, just know I'm getting sick. Just stop, whoa, I can't take no more. If you have a heart, you won't ever think of hurting a soul. Whoa, it's so unbearable, it's so unbeatable. Emotional trauma, it's how you make me feel. It's so unbearable, it's so unbeatable. Emotional trauma, it's how you make me feel. It's so real, and genuine, and painful. It hurts so much when you are touched, and
yet be silenced. They'll tuck away your pride, they give you the shame.